En tant que syndicalistes, nous devons avoir une certaine confiance aux partenaires. Nous avons commencé notre grève le 5 janvier 2022, aujourd'hui le 2 mars 2022. Jour pour jour, les enseignants sont restés à la maison, les étudiants sont restés à la maison. La reprise dès demain, ceux qui sont prêts peuvent déjà commencer à reprendre les enseignements. Le 2 mois perdu, ce n'est pas difficile, monsieur le journaliste. Ce n'est pas le temps seulement qui compte, mais c'est la façon de rattraper ces 2 mois qui compte. Je vous remercie. Je crois que vous avez suivi vous-même les communiqués que nous avons signés conjointement avec les bas syndicales, avec les RAPICO. Donc, il a le mot d'ordre pour que les cours reprennent dès demain. Nous avons donc répondu à une partie des revendications selon ce que nous sommes convenus. Et le reste, ça va être dans le cadre de la progressivité. Vous avez suivi dans les communiqués qui a été lu, il a été dit qu'il y a une commission qui va continuer à faire le travail pour que d'autres revendications puisse être inscrite dans la durée. Mais pour ce qui concerne les revendications les plus phares, nous avons pu trouver des points de compromis qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cet accalmie. Tout le monde a essayé de mettre l'intérêt de la jeunesse au devant et aujourd'hui nous pouvons nous satisfaire d'avoir obtenu ces compromis. Et donc nous allons essayer de demander au comité de gestion de faire une programmation qui nous permettra de pouvoir récupérer l'état perdu, mais effectivement si on trouve que dans cet état qui nous reste on ne sait pas arriver au bout, on pourra prendre des dispositions en tant que ministère de tutelle.